dans l'épisode précédent. Après avoir été chercher le dernier pouvoir noir chez l'oracle, à savoir Dark Géant, nous avons débuté les défis du jeu en commençant par le plus important, nécessitant tous des médailles d'or. Ainsi, nous avons eu avec énormément de mal celle du parcours du jetboard qui nécessitait 120 000 points, ainsi que celle des 4 parcours de tir, respectivement avec le pulvérisateur, le blaster, le vulcano shooter et le pulvérisateur, toutes très difficiles à atteindre. Maintenant, attaquons-nous au défi des bornes dispersées dans la ville. Salut tout le monde, c'était Kira, bienvenue pour l'épisode 20 de l'aventure sur Jack 2. Alors la dernière fois, on avait commencé à la recherche d'or, enfin, plutôt je pourrais dire les défis plutôt, ouais, parce que moi, comme je l'ai dit, je ferai pas tous les orbes, c'est pas possible, puisqu'il y en a que j'ai loupé et que je peux pas récupérer. Donc bon, on va commencer par ce défi. Les pilotes des souterrains veulent t'affronter sur le parcours de l'anneau numéro 1. Tu te sens prêt à relever le défi ? Ok, donc on a une course comme... Ah bah, du même genre que celle avec Hyrol, si vous vous rappelez. Cette course-là qui m'avait bien fait chier, d'ailleurs. Bon bah, écoutez, c'est parti, on va voir si je vais m'en sortir, j'espère, en tout cas. Ah, ils sont plusieurs, j'ai l'impression, non ? Eh putain, mais... Ok, ça commence bien. Ça commence très bien. Bon, c'est pas grave, c'est que le début, hein. Faut toujours s'en sortir. Par contre, ça semble être la même course. C'est le même parcours, on dirait, qu'avec Roll. En tout cas, ça va même faire chier s'il conduit pareil, parce que putain, par contre, il a pris de l'avance. Il a pris beaucoup d'avance, je trouve. En tout cas, j'espère que je m'en sortirai mieux, enfin, du moins que j'aurai moins de mal que pour les parcours de tir, parce que bon, vous vous rappelez, j'ai quand même pas mal galéré. D'ailleurs, j'espère que pour tous les défis, je vais mieux m'en sortir, parce que si je mets une demi-heure par défi, ça va vraiment être chaud. Même si celui-là, bon, il est un peu spécial, hein, c'est pas juste trouver un orbe ou d'autres défis de ce type qui sont tout simples, enfin tout simples. Encore, ça dépend, on peut mettre du temps à les trouver, mais bon, faut voir. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite qu'Hyrol, hein, juste comme ça, j'arrive pas à le rattraper. En plus, je suis en train de faire n'importe quoi. Ouais, il m'a largement devancé, donc là, faut vraiment que je gère si je veux. Je pense que si je rentre encore une fois dans un mur, j'aurai plus aucune chance, donc je vais... Je mettrai à recommencer l'émission. Non, parce que je suis mal parti de toute façon, donc c'est pas la peine de. Putain, en plus il y a un gros là qui fait chier. Et les gros, ils font vraiment chier pour les coins. Franchement, c'est vraiment casse-couille. Voilà, je vois même pas sur la carte le mec. Bon, de toute façon, il a pris trop d'avance. J'ai l'impression qu'en fait, il fait aucune faute. Il faut vraiment super bien gérer. C'est plus tard que la course avec Hyrol. Bon, attends, c'est pas grave, on va recommencer. Qu'au début il m'a envoyé des grenadiers et tout, c'était un peu bizarre. Ouais. Non mais de toute façon je m'y attendais franchement, hein, c'est les missions finales là comme ça, enfin les épisodes finaux plutôt avec les défis, c'était sûr que ça allait être long. Enfin long parce que ouais je fais beaucoup d'essais. Il y a pas mal de défis mais c'est surtout qu'ils sont tous assez difficiles. Tant tout cela. Voilà bon c'est bon, il est rentré dans le mur mais bon moi aussi donc ça fait chier. Oh putain. Voilà, il est vraiment aussi rapide que moi. Hyrol était plus lent, donc son vaisseau allait moins vite. Du coup, ça allait. Mais... Putain, c'est galère. Faut vraiment rien avoir à se reprocher. Putain, je voulais faire aller dans le mur, j'ai pas réussi. Vas-y, dégage. Par contre, j'ai l'impression qu'il est lent à accélérer un peu, l'autre. Enfin, bon, c'est dit, moi aussi. Mais... Okay, parfait. Faudrait que je pense à sauter aussi à chaque fois qu'il y a un civil, à essayer de sauter pour l'éviter parce que voilà si je dois rentrer dedans ils me ralentissent, ils me font dévier surtout, c'est ça qui pose problème. Parce que souvent ils me font dévier et bah et du coup je peux pas je peux louper un anneau. Bon ça va, il s'est tapé un civil, c'est bon. À partir de là, faut plus que je fasse d'erreur parce que c'est presque fini. Attention. Mais non! Putain, mais quel connard! Bon, c'est pas grave, je peux encore rattraper l'erreur. Ah, putain! Ok, c'est bon. Ça passe, il est derrière. Allez, on y croit. Non! Hey, regardez, là, il a loupé. Il a loupé le truc, hein. On est d'accord, là encore. Et pourtant, il est pas... Alors que moi, si je fais ça, voilà, j'ai perdu, quoi. C'est abusé.
que l'IA a le droit de ne pas respecter les règles. S'abuser. Non, vas-y, dégage. Casse-toi. Putain, je crois que j'ai perdu là. J'ai perdu juste avant et tout. Dégoûté. Vite, vite, vite. Allez, 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 allez. Non, non, mais non, dégage. Non, putain. Oh, fais chier. J'ai perdu à rien du tout. Mais voilà quoi, lui il est pas obligé de faire demi-tour, ça m'énerve ça. Lui il loupe des anneaux, puis moi j'ai pas le droit. Allez, encore une fois. Je pense, ouais, même si là je continue à commenter, je pense que je vais en couper. Je vous en laisserai 2, ouais, 3, je crois que voir 4 essais, 4 essais, pas plus. Parce que bon, voilà, il y aura pas que ça dans la vidéo, on va pas faire qu'un seul défi. Faut pas non plus qu'on éternise trop le let's play et faire trop de vidéos que sur les défis, parce que ça va être un peu chiant. Mais bon, voilà. Mais franchement, je sais pas comment je vais faire pour. Parce que bon, j'ai bien envie d'avoir le trophée platine quand même, donc voilà. C'est un peu chiant. Oh, t'es sérieux toi? Putain! Quel enculé! Ouais, je disais, ouais, que ça serait bien que j'aimerais bien avoir les 3 trophées platine pour bah, les 3 de Jack. Mais bon, pour le 2, ouais, je pense qu'il va falloir que je le recommence en mode héros. Peut-être. Je sais pas, faut voir. De toute façon, j'aurai. À la fin de tous les défis, non, logiquement, j'aurais quand même avoir plus de 200 orbes. Du coup, le mode héros sera débloqué, puis bon, je continuerai de mon côté. Enfin, je recommencerai le jeu de mon côté plutôt. Sur ce jeu-là, je pense pas que ça. Non, ça me posera pas trop de problème de le refaire parce que j'adore. Ah, mon jeu préféré. Donc voilà. Allez, doucement, doucement. Non, bon, c'est aussi c'est bon, j'ai eu. Enfin, j'ai eu peur. Donc à partir de là, faut gérer. Faut pas faire de conneries. Enfin, surtout en fait, faut éviter. Putain, faut éviter de faire ça. Surtout. Non mais ce qui est chiant, c'est que dans les moments où on saute, on se prend des vaisseaux qui sont en l'air et ça c'est vraiment très chiant. Voilà, ok. Putain, mais il est juste derrière. Il talonne, mon culé. Je m'en fous, moi je l'ai vu, je voulais bien le prendre parce que celui-là, si on le loupe, on est foutu. Allez, c'est bon. Vous voyez là, il l'a encore pas pris. Oh, ça m'énerve. Quel connard, en plus, il me bouscule et tout. Enfin, moi aussi, je le bouscule. Allez, là, c'est bon, là, je peux gagner. Là. Non! Putain! Vas-y, dégage, non, je m'en fous, je te bloque. Voilà. C'est bon. Mais pourquoi on n'a pas d'orbe là? Putain, elle est limitée celle-là, donc en fait je l'ai fait pour rien. Putain, fait chier. Bon, en gros, voilà, on a perdu 10 minutes de l'épisode pour rien. Non, fait chier. Rien pour le moment. Vas-y, casse-toi là. Bon, attendez, je vais regarder où il y a d'autres défis. Donc, c'est les petites flèches vertes. Bon, on va aller à l'autre qui est dans cette zone-là, tant qu'on y est. Donc, c'est parti. Bah, je vais faire, ouais, ça va pas très long, mais bon, je vais quand même faire une ellipse parce que j'aime pas, parce que j'ai souhaité un peu long. Donc, à tout de suite. Et voilà, on est arrivé, donc qu'est-ce qu'il nous veut ? L'occasion de montrer que tu connais bien cette ville. Votre attention, mes fidèles citoyens. Où est-ce que c'est, ça ? Je crois que c'est au milieu. Attendez, on va prendre ça. Attendez, la barre, elle est pas là. Je crois qu'elle est sur un des deux au milieu. Non, c'est pas celle-là. Ça doit être l'autre, alors. Ah non, merde. Non, bah, c'était pas là. Bon, je vais re-regarder encore. Attendez. De toute façon, ici, ça semble être... Ouais, ça semble être prêt quand même de... Putain, faudrait juste un vaisseau rapide. Vas-y, donnez-moi un vaisseau rapide, bande de con. C'est peut-être là-bas. Bon, je vais aller par là. Ah, c'est peut-être cette borne-là. Mais il nous aura laissé beaucoup de temps quand même, hein, si c'est ici. Pour mieux diriger. Non, c'est pas là. Protection contre vol. Confiance en moi. Peut-être là. Non, mais là, je crois qu'il n'y a pas de borne. Ce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, ouais, c'est ça, c'est que c'est une borne où il y a Praxis. Enfin, où il parle, le mec il est pas censé parler parce qu'il est mort, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas par là. Logiquement, il va falloir rester dans cette zone. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais faire le tour. Toi, tu vas me donner ça, comme ça je ferai plus vite le temps. Merci.
Ça pourrait être dans l'autre sens aussi. Enfin, moi je vais partir dans ce sens-là, puis je verrai après. C'est près aussi d'un endroit où on monte. Enfin, dans une espèce de pseudo-tremplin, on peut dire ça comme ça. Donc, attendez, on va continuer là. Non, il n'y en a pas. Hein. Puis là-bas, je crois qu'il n'y a pas d'autres endroits comme ça. Non. Bon, alors il aurait peut-être fallu tourner. Donc on va tourner, on va... par contre, ce serait bien que j'ai un vaisseau. Bon, tant pis, je prends celui-là, c'est pas grave. Donc quand on est par là, c'est pas par là. J'ai déjà testé. Voilà, tourner ici, je voulais dire. Ah, c'est sûrement là. Ouais, voilà, c'est ici. Voilà. Bon, par contre, on avait encore beaucoup de temps, donc je pense qu'on était censé le faire en jetboard. Bon, c'est pas grave. Toi, tu vas me donner ça, merci. Et on va voir donc le prochain qu'on va faire. Vous voyez, maintenant, les épisodes, ça va être que ça. On va se faire tout... Ah, mais c'est trop con, putain. Ils nous les laissent marquer. Putain, c'est trop chiant, ça. Bon, attendez, je suis là. Je vais passer comme ça, je vais faire un dans le sens des aiguilles du monde, donc on va partir là dans l'herbe. Bon, attendez. On part là, donc après, ouais, faut tourner comme ça, ok. Donc bah on se retrouve au prochain, à tout de suite. Ok, donc nous voilà arrivés. Ça, je crois que c'est un orbe à trouver encore. Plus difficile, un contre-la-montre. Ah non, ah si. Et donc c'est là où il y a une pierre. Je sais pas de quel côté on va aller voir par là. Ce que je sais c'est qu'il y a une pierre et que le truc est caché derrière. Ah c'est sûrement ici. Ici des pierres il y en a pas mal. Mais par contre on n'a pas vu les fesses de bête là, donc ça m'étonnerait en fait. Ah c'est sûrement plutôt là-bas. Non c'est pas là. Bon on va partir dans l'autre sens, on va voir. Ah non, c'est une grosse pierre quand même, et derrière il y a un arbre. Bon, par contre, moi faut le faire en jetboard visiblement. Bon, c'est pas grave, on va passer par là. Je pense que ça devrait être là plutôt. Ah voilà, je pense. Mais attendez, on revient là encore. Ouais, je sais pas. Bon, attendez, je vais aller voir là-bas. Allez vite. Bah non, de toute façon, il y a un arbre derrière. Je suis con, je vais pas regarder. Il faut que ça soit ça avec un arbre derrière. Bon, on va passer par là maintenant. Oh putain, dégueule! Une pierre avec un arbre derrière. Et d'ailleurs, ça semble près de la circulation, enfin, de la route. Si on peut dire ça comme ça. C'est ici, non? Il y a des arbres derrière les pierres. Voilà, c'est ici. Voilà, ça c'est fait, donc voyons maintenant où est le prochain, si tu veux bien faire start. Attends, il faut attendre que ça sauvegarde. Voilà. Alors, le prochain, bah il est tout prêt, hein, c'est juste là à l'entrée. Donc on y va, bon je coupe pas, bien sûr, c'est juste à côté. Je pense que ça va encore être un truc du genre. Là par contre, ils sont un peu durs, c'est dans cette partie de la ville, parce que tout se ressemble en fait. Donc c'est un peu galère. D'autres agents à d'autres points de la ville. Les espions de la Grenagarde nous surveillent. Alors sois prudent. Bonne chance. Wow, encore une mission comme ça. Bon, ça va être... Bon, ça va changer un petit peu au moins. Bon, par contre, je suis obligé de prendre un véhicule à deux places, ça c'est chiant par contre. Enfin, à deux ou plus de places. Voilà. Ouais, si on avait fait une mission comme ça, bon, par contre, si... Allez, viens. Dieu merci, vous êtes là. Les grenagards sont partout. J'adore le truc quand même, là on a fini le jeu. Normalement les grenagards c'est plus une menace, puisque c'est Thorn le commandant des grenagards. Et et bah on doit encore s'en cacher quoi. Non, je veux pas faire ça. Par contre je sais pas ce que j'ai fait pour déclencher la recherche. Enfin, je pense pas avoir fait de conneries, donc c'est bizarre. Voilà. Ok, je m'en vais. Bon, par contre. Ah merde, c'est de l'autre côté. Bon, attendez, je vais changer de vaisseau.
toi donne-moi le tien, merci. C'est bon, c'est un 3 places. Putain, mais ils visent bien les enfoirés, ils arrêtent pas de me tirer dessus depuis tout à l'heure. Vas-y, dégage. Vas-y, monte. Allez, j'espère que vous pouvez passer sur la passerelle. Hein. Pas trop tôt, allons-y. Ah, c'est bon. Pas trop tôt, vas-y, t'as qu'à aller tout seul, connard, si c'est trop long. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais mes armes sont plus puissantes. Pour tuer un grenier garde rouge, maintenant il faut tirer un seul coup. Enfin, avec le blaster, c'est le cas, j'ai pas trop fait gaffe, attendez. Non, il est pas mort, ouais, mais c'est avec le blaster en fait. Le blaster est devenu plus puissant, je crois que c'est Crew qui nous avait donné l'upgrade juste avant de mourir. Et bah ouais, ici, le blaster est plus puissant, du coup, maintenant il faut un coup pour tuer un grenier garde rouge et deux pour un jaune. Donc c'est assez plaisant. Ouais, par contre, il est mort, enfin, j'ai pas trop compris. Bon, c'est pas grave, attendez. On va changer de vaisseau. Merci de m'avoir sauvé. En speed. Bon, par contre, là, je voudrais me faire essayer. Putain, mais regardez, il est juste derrière hein, le vaisseau Grenagard. Il me suit, il est chiant. Enfin, la moto plutôt. Parce que c'est pas vraiment les gros vaisseaux là, c'est la moto. Bon, toi, par contre, tu dégages. Non. Toi, dégage. Me chier. Ok, mon gars, démarrer. Ok, où c'est? C'est là-bas. Bon, ça va, on s'en sort bien. Là, le problème, c'est qu'il y a du temps, donc c'est... Je sais pas s'il y avait du temps, d'ailleurs, lors de la mission où on avait à faire ça. Je crois pas, hein. Je crois qu'il fallait juste les ramener en vie, mais il n'y avait pas de temps. Là, ça rend la chose un peu plus difficile. Surtout que là, putain, c'est vraiment corsé. Putain, il est assez loin. Enfin, j'ai l'impression que c'est... Ah non, c'est juste là. Faire attention aussi aux tourelles, des fois, parce que quand il y a une tourelle qui sort... Si elle nous mitraille, ça fait vraiment mal. Bon allez, descends, connard. Vas-y, fais quoi, là? Putain, mais c'est un bouffon, lui. Vas-y, descends, putain. Merci. Vas-y, vite. Notre baron s'adresse à vous. Non, mais t'es mort, toi, tu parles pas, normalement. Allez. Le dernier, j'espère que je vais réussir. Si je réussis pas, je coupe, hein, parce que ça va être un peu chiant, sinon. Par contre, c'est là, et c'était un gros piège sur la carte. Pas chier. Mais non, pas celui-là. On fait un deux places. Bon, c'est pas grave, il est là, mais... Non, parce que l'autre, il était presque mort. Allez, vite, monte. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Tu vois pas, c'est où qu'il y a de la place. Putain, mais c'est ta mère qui m'a retardé. Bon, allez, c'est bon. Il est presque. Une minute, ça devrait le faire. Ça tout dépend d'où c'est, mais bon, ça va pas trop loin quand même. Mais qu'est-ce qu'ils sont lents, ces vaisseaux? C'est vraiment horrible de conduire ça. Après, certes, c'est plus résistant, mais bon, voilà quoi. C'est lent. Enfin bon, je pense quand même que bon, déjà, ouais, voilà, faut pouvoir transporter l'autre passager. Mais c'est plus adapté quand même, parce que pour cette mission, on se fait tirer dessus de partout, et si on aurait un vaisseau une place, ça aurait été trop dur. Il aura pas résisté, puis on crèvera tout le temps. Bon, c'est bon, c'est réussi, s'il descend quand il faut. Voilà. Bon. Carambolage. Bon, c'est bon, là, j'y reçois mes armes. Ok, parfait. Bon, bah, maintenant que je suis là, je vais faire le défi qui est là. Le problème, c'est que je peux pas le faire, puisque je suis recherché, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me suicider. Salut. J'avance normal, je me suicide. Putain, s'il explose ça sur ma gueule, ouais, c'est bon, je perds de la vie. Coucou. Voilà, c'est bon. Enfin, c'est chiant, par contre, de devoir se suicider pour pouvoir faire un défi. Ça, c'est galère. Bon, en fait, non, je vais rester dans l'ordre pour pas trop me paumer, donc je vous retrouve là où j'étais tout à l'heure. A tout de suite. Je comprends pas pourquoi on peut le refaire. C'est vraiment bizarre. Enfin, attendez. Je suis bien là où j'étais tout à l'heure. Je suis parti là, voilà, j'ai fait celui qui est... Je vois, ils sont encore marqués, mais on peut les refaire, mais celui-là... Enfin, je sais pas. Bon, de toute façon, je l'ai fait, donc j'aurai pas d'ordre à gagner ou quoi que ce soit d'autre. Donc on va se faire les autres. Putain, faut éviter le grenier à garde parce que bon, faut pas que je me fasse rechercher parce que sinon je peux pas faire les défis.
Attendez, il est où tout le prochain en fait? Donc il était plus ici, voilà, dans la prochaine zone d'herbe. Donc on va y aller. Je me rappelle, je crois que c'est encore une fois un défi où faut trouver un orbe. Enfin, bon, de toute façon, c'est la plupart, ce sera ça. Hein. La plupart des défis, c'est ça, c'est trouver des orbes. Voilà, c'est là-bas. Ouais, je me rappelle de cet endroit. Oui, bien sûr, il fallait que je retombe dessus, de toute façon. Bien sûr, c'est totalement logique. Ok, à côté d'un truc comme ça. Ça semble être dans un coin, peut-être. Non, je crois que c'est... Putain. Bon, c'est pas grave. Bon, là, j'ai déjà perdu un peu de temps. Et je pense que ça va être dans le coin, là. En bas. Putain, dégage. Bon, là, c'est là-bas. Je suis sûr il est derrière la machine, là-bas. Il faut aller vite, hein, putain. Ok, allez vite. 15 secondes à peu près pour y aller. Bon, après, si c'est trop court, je prendrai un vaisseau, mais je pense pas. Je pense que ça va passer. Enfin, ça se trouve, c'est pas là, hein, après, je dis ça, mais... Ah si, c'est là. Mais ouais, faut prendre un vaisseau, à mon avis, parce que c'est... Ou alors, en jetboard, faut vraiment faire... Longer le mur, ouais. Ouais, attendez, je vais prendre ça. Avec ça, j'irai vite, au moins. Bon, par contre, je vais me faire courser, mais bon, sinon, je vais l'avoir. C'est quand même bien. Oh putain, et je vais même pas l'avoir. Allez, vite, 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 vite. Oh putain. Quelques centièmes, quelques dixièmes plutôt de plus, et je l'aurais eu. Dommage. Allez, allez. Alors, moi, j'ai trouvé directement où c'est déjà bien. Parce que des fois, putain, si on. En plus, qu'on trouve pas. Eh, mais c'est chaud, hein! Allez, vite! Ah! Bon, tant pis. Non, je pense qu'il faut pas perdre de temps, vraiment. J'ai essayé d'en jetboard, mais en longeant le bord. Pour vraiment pas perdre de temps sur le virage. Attention, description des suspects. Allez. Putain, mais non, c'est pas possible en jetboard, hein. On peut pas. Mais c'est vachement dur. En fait, faut avoir la chance qu'un vaisseau rapide passe. C'est ça, c'est super le défi quoi. Faut avoir de la chance. Ah voilà, allez vite, vite, vite. Allez, avec celui-là, je peux l'avoir quand même. Pff, même pas. Même pas, non, je jouerai pas. Si, j'aurai. C'est bon. 150 orbes déjà, hein. Putain, on va vite. On va très vite. D'ailleurs, avec 150 orbes, qu'est-ce que je peux faire? Alors, attends, les secrets. Ah, là, pour le prochain, c'est munitions illimitées, donc à 155 orbes. Celui-là, je l'avais déjà débloqué. Et d'ailleurs, c'était jusqu'à celui-là que j'avais débloqué. J'avais jamais réussi à avoir assez d'orbes pour débloquer Dark Jack illimité. J'avais été jusque-là. Donc bon, quand on aura Dark Jack illimité, ça va être plutôt drôle. Donc voilà, alors le prochain c'est Mission Gogo. Je vais. Bah si, attendez, je vais regarder la carte. Voir quel est le prochain. Donc attendez, j'ai pris celui-là. Donc après, on va remonter dans la zone verte. Ok. Faut remonter dans la zone verte et on en aura un près de l'eau. Dans la zone verte, je me rappelle d'un défi en particulier qui est vraiment mais pété. Et pourquoi on peut le refaire? C'est bizarre. Attendez, ou alors c'est peut-être un autre. Je vais essayer quand même. J'ai détecté une fuite d'écho noir. Vous devez y remédier avant que toute la ville ne soit contaminée. Wow. C'est quoi ce truc? Ouais, non, faut le faire en jetboard, ça. Ok. Ah, ok, non, en fait, c'est deux autres missions, donc faudra que j'aille refaire celle dans la zone jaune. Bon, là, on se fait un petit seul homme, là, tranquille. Voilà, voilà. On a 30, 2 minutes, ça devrait passer. Ah bon, la mission horrible dont je vous parlais, c'est la même chose en fait, mais avec de l'écho verte. Comme dans le 1. Dans la zone verte, ouais, justement. Et c'est vraiment très dur. Putain, mais c'est trop chiant à les prendre dans ces trucs-là. En tout cas, ça ne rapporte de l'écho nord, hein, juste comme ça. Ok, merde, j'en ai loupé un, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Je suis à combien là? 15. J'ai pris la moitié, plus de la moitié. Par contre, pour le reste, faut que j'aille vite. Je vais prendre le vaisseau là, juste pour atteindre l'endroit plus rapidement. Et après, je me remettrai en jet bar parce que c'est beaucoup plus pratique à choper. Ainsi. Ah putain, j'ai cru que j'allais taper le grenagard, ça m'aurait fait chier. Allez, vite, sors le jetboard. Et c'est reparti. Non, c'est bon, je pense du premier coup, je pourrais y arriver. Je me rappelais pas, ouais, qu'en fait, on avait d'autres défis sur le même... Non, genre, c'est abusé, putain, ça nous rejoint. On est obligé de les prendre directement, là. Ouah, chaud. Quand on a Dark Jack, ouais, c'est plus attiré. Ah, merde. Ah, putain, ça va être chaud. 5, ouais, non, c'est bon, 24 secondes. Y'a moyen. Juste qu'il faut faire gaffe à ces putains de gros. Non, c'est bon, tranquille. Tranquille. Ok. Vous avez éliminé la menace de l'écho noir à temps. La ville vous est très reconnaissante. Ok. 153. Je crois que c'est 3 orbes à chaque fois par défi, donc c'est pas mal. J'ai juste à aller voir. Bah, je suis con. Ah non, c'est bon, je crois que je vois un point d'interrogation d'ici. Vous voyez, regardez, quand on a terminé un défi, enfin, quand on n'a plus rien à faire à une borne en particulier, il y a un point d'interrogation. Bon, je suis retourné finalement avant, à celui où j'avais fait la... qu'est-ce que je devais faire? La mission où je vais accompagner les souterrains. Je vais y retourner. Bah, je sais pas si je coupe. Ouais, si je coupe, vite fait. Voilà, c'est bon, on est arrivé. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a à faire cette fois-ci. Je prépare juste le vaisseau. Tu crois pouvoir trouver cet endroit? Ok, trouver un endroit, tranquille. Un coin. Il y en a beaucoup des coins, par contre. Hein. C'est pas celui-là, normal. Toi, casse-toi, gros porc. C'est pas celui-là. On a perdu. Est-ce que c'est ce coin? Non, il n'y a pas de coin. Je croyais qu'il y avait un V1, mais non. Bon, on va aller voir sur la droite maintenant. Ouais, c'est vraiment sur plusieurs essais par élimination pour un moment comme ça. Enfin, pour un moment, pour un défi comme ça plutôt. Enfin, surtout à cet endroit quoi, parce que comme tout se ressemble, il faut vraiment éliminer les passages. Non. Par contre, après, je trouve ça un petit peu loin, donc on va partir de l'autre côté. Merde. Ça commence déjà mal. Toi, casse-toi. Toi, t'es gros. Ok, on va partir tout droit. En espérant que ça soit là, sur la gauche. Ok, c'est là. Vite. Ok, c'est bon. Et là, j'ai des missions limitées maintenant. Je sais pas si on peut activer ou désactiver, par contre. Attendez. Je vais regarder ça. Bah oui, non, bah je vais mettre oui, bon, après voilà, c'est la fin du jeu, donc c'est pas spécialement pété, donc c'est juste pour s'amuser un peu. Comme ça, je pourrais tirer des balles de pacificateur comme je veux. Bon, alors, on se retrouve où on était dans notre parcours, puisque bon, je savais pas qu'il fallait refaire les... Et maintenant, attendez, je regarde juste sur la carte, ils disparaissent, hein. Ok, ouais, ça disparaît bien. Non, bah non, ça disparaît pas, je suis con. Bon, attendez, je vais retourner en arrière. Voir si ça disparaît ou pas, quand c'est en point d'interrogation. Là, ça l'est toujours pas, je crois. Non, il y a encore un autre défi, donc on va faire. Oh, non! Pour parler, voilà. Jack, des explorobots traîneraient en ville. Ouais, encore. Ils constituent une dangereuse menace, et vous devez les localiser, puis les détruire un à un avant qu'ils s'en prennent à nos intérêts. D'accord. Donc, si vous vous rappelez aussi cette mission, on devait exploser des robots. Les robots sur pattes, là, en fait, ça fait un peu des araignées, je trouve. Ils ont que 4 pattes, je crois. Bon, je t'en fous. Ok, bah là, de toute façon, avec les munitions limitées, ça va être plus simple. Sachant que j'aurai bah, notamment le Vulcano Shooter comme je veux. Donc j'aurai pas besoin de faire attention à mes munitions. Donc ça va être tranquille. Bon, par contre, ils sont un peu loin, hein, je trouve. Je trouve qu'ils sont vraiment très loin. Ça me dit avant qu'ils s'en prennent à nos intérêts, je sais pas ce qu'ils veulent atteindre, mais ça peut être chiant. Ok, y'en a un là. Non! Ok, c'est bon, il est mort.
donne-moi ton vaisseau, toi. Vite, vite, vite. Voilà. D'accord. Il y a un petit tuyau de merde alors qu'il y a un grand passage pour passer. Il faut que je me prenne le tuyau. Forcément, forcément. Bon, je regarde juste où ils sont, voir si je tourne ou pas. S'il est prêt ou pas. Non, il est loin. Ouais, mais après, il faudra que je passe sur... Bon allez, je vais aller tout droit. Je vais pas tourner. Ah oui, ils sont vraiment dispersés dans toute la ville, c'est chiant. Bon, vous savez quoi, je vais couper à chaque fois que je rejoins chaque robot, parce que sinon ça va prendre du temps et faut que cet épisode soit un condensé de défi, donc je vous retrouve, à tout de suite. Ok, donc ce robot-là, il est en l'air. Merde, putain. Faut que je rejoigne comme ça, c'est chiant. Ok, attendez. Putain, mais par là, on peut pas y aller. Voilà, par ici, je pense qu'on pourra l'avoir. Pour une fois que ce passage sert à quelque chose. C'est vrai qu'on a eu aucune mission en rapport avec ces ponts suspendus, là. Enfin, je veux dire, une mission en rapport, c'est qu'on n'a jamais eu vraiment besoin d'y passer. Ah, voilà, il est là. Non. On va le niquer comme ça, quoi, si c'est bâtard. Vous voyez, j'ai des missions illimitées, je suis à zéro, mais je continue à tirer. C'est pas mal. Bon, par contre, j'ai l'impression que ça lui fait pas grand chose, hein, honnêtement. Ça semble ne rien lui faire, même. Il faut viser un chargeur, on tue même pas, quoi. Bon, attendez, je vais tirer avec ça. Ah, putain. Nique-le. Ok, c'est bon. Non! Putain, il m'a explosé la gueule. Oh, je suis dégueu. Je suis dégoûté. Bon, attendez, je coupe jusqu'à ce que je trouve le prochain. A tout de suite. Ok, c'est bon. Bon, vous avez vu que je me suis foutu dans l'eau pour calmer un peu les trucs, parce que c'est un peu chiant. Bon, là, je vais y aller avec Dark Jack. Bon, ça sera plus simple, sachant qu'il est invincible. Voilà, c'est bon. On va finir en beauté. J'ai dit en beauté. Voilà. Bon travail. Ça va faire un trou dans le budget de guerre du baron. Ouais, mais le baron est mort. Ça fait combien de fois que je te le dis? On fait toujours des missions contre le baron alors qu'il est mort. Ça, c'est complètement con. Enfin, c'est vrai qu'on avait été peut-être censé les faire avant, je ne sais pas. Enfin, bon, tout ça pour dire je vais mourir, donc voilà. Et on se retrouve juste avant le prochain. Bah, on se retrouve juste devant le prochain défi. A tout de suite. Ok, bon, finalement, je m'arrête ici. Plutôt que de continuer sur dans le même sens, puisque bon, là, ça m'aura obligé de faire un détour plus tard. Donc, comme j'étais à côté, je le fais. Ok, encore trouver un endroit. Oh, facile, sur la fontaine. Je sais très bien où c'est. C'est à côté de l'entrée du palais, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il nous laisse beaucoup de temps parce que je pense que pour ces missions-là, on est censé vraiment les faire en jetboard. Enfin, par contre, celle d'avant, je sais pas comment on était censé faire, mais on est censé les faire en jetboard et... Attendez, c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. C'est là? C'est pas là? C'est quoi ce délire? Ou alors c'est les fontaines... Ah oui. Ouais, c'est sûrement les fontaines près du tombeau de Mar. Donc bah on va y aller. Putain, j'ai même pas de vaisseau de descente là. Ah, fait chier. Allez vite, un vaisseau rapide. Putain, y'a personne qu'on a en plus. Vas-y, ça, donne-moi ça. Merci. Casse-toi. À peine j'ai effleuré, mon vaisseau est déjà en feu, quoi. C'est chaud. On s'en fout, les grenades à garde. Bon, juste que là, si je me fais tirer dessus, j'explose, mais bon, c'est pas grave. Ça va être un de ceux-là. Oh, c'est chaud hein, pour les atteindre. Ah merde, j'ai pas pu voir si c'était un autre. Bon, en fait, on va tous se les faire comme ça, hein, je pense. Attendez, y'a un truc rouge devant. Ouais, je sais pas. Bon, attendez, je vais passer par là juste pour prendre le vaisseau. Non, c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple, c'est qu'en fait, je sais pas où c'est.
Je sais pas c'est quelle fontaine. Je sais pas s'il y a un truc rouge devant là, ça doit être le palais plutôt et pas. Ouais c'est bizarre. Non mais si de souvenir je crois que c'est le que c'est autour du tombeau de Mar. Juste comme ça, je crois me rappeler que c'est ça. Donc, je vais essayer celui-là du coup. C'est où? Putain! Je crois en Paul. Ah mais non, il y a un mur et tout, ouais, je sais pas. Ah ça m'énerve. Toi viens là, donne-moi ça. Ça peut être par là? Non, ça peut pas être par là. C'est pas simple, hein. Franchement, c'est pas simple du tout. Ou alors je loupe des fontaines peut-être, alors que je les vois pas, je sais pas du tout. Mais... Attendez, c'est sûr que c'est pas là. Hein. Non. C'est pas là non plus. Ou alors c'était en bas. Ouais, mais non, y a pas de truc en bas. Bon, c'est pas grave. On voit rien de là. Putain, mais par contre, si c'est une des fontaines derrière, c'est loin. Putain, c'est chaud. Allez, vite, donne ça, toi. Allez. Bon, par contre, après cet essai, je couperai jusqu'à ce que je trouve, parce que sinon, ça va être un peu chiant. Là, ça va surtout prendre du temps sur les autres défis, donc voilà. Bon, 23, 22, bon, ça va. On y va en direct. Bon, ça va repasser là. Comme ça, en dessous. Non, oh, c'est bon, j'ai eu. Mais je crois que c'est pas ça. Bon, on va essayer la dernière, hein, mais si c'est pas ça, je vois pas c'est où. Franchement. On passe au secteur suivant. Allez, vite, arrive sur rapide. Toi. Mais putain, mais casse-toi, connard. Vas-y, c'est produit que ça fout là. Putain. C'est bon, j'ai trouvé. C'était donc la dernière fontaine. Ouais. En effet, c'était ça. Bon, bah, j'ai pas eu de chance hein, parce que j'ai tout essayé et celle-là en dernier, c'est dommage. Bon, enfin, je regarde juste. Non, pas une mission, c'est plutôt la carte que je veux. Bon, alors c'est bon, j'ai plus rien à faire. Ouais, les trucs disparaissent bien hein, quand on a fini. Donc bon bah je vais passer par là du coup je vais continuer mon chemin. Bah je vous retrouve devant le prochain défi, à tout de suite. Voilà on est arrivé au prochain, sinon je suis passé voir la course là qu'on a fait tout à l'heure, c'est bien illimité hein, donc ça sert à rien de la refaire. Donc voyons ce que lui il nous veut. Plus difficile, monsieur, on continue la recherche. Vas-y le grenagarde qui parle en même temps. Bon alors c'est sur un bord. Sur une rampe. Bon, attendez, je vais passer là. Ça doit être là je pense, non? Non, c'est pas là. Casse-toi. Ah, c'est là-bas, ok. Ça va, c'est facile. J'avais juste à ne pas perdre de temps comme ça et c'est bon. Bon, là, celui-là est tranquille, hein, y a rien à dire. Bien reçu, on continue les recherches. Il suffit juste de pas rentrer dans les gens, quoi. Surtout pas dans les grenades à garde. Ah merde. C'est bon, j'ai eu. Bon, par contre, j'ai tapé un grenagarde, mais j'ai eu. C'est pas grave. Bon, je vais juste voir là-bas. Ah bah merde, je peux pas voir du coup si. Non, mais y a plus de flèches, donc je pense que c'est fini. Bon, bah écoutez, on se retrouve encore une fois devant le prochain. A tout de suite. Et voilà, le prochain, voyons ce que c'est. Encore, toujours. Hein. Ah bah là, voilà, je sais où c'est. Enfin, je sais pas trop le chemin, mais je sais où c'est. On va passer par là. Enfin, de toute façon, je ne peux que passer par là ou de l'autre côté, donc voilà. C'est pas là, c'est. Ouais, c'est dans ce coin-là. Je sais que c'est dans ce coin-là. C'est l'entrée, ouais, du palais, là, quand on y était la première fois. Si, si, voilà. Bon, là, je sais où c'est maintenant, il suffit juste de me rappeler. Parce que oui, hein, vous savez très bien que j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Enfin, sur le moment, en tout cas, une mauvaise mémoire pour l'orientation, du coup, je peux. Ça m'arrive souvent de pas me rappeler d'où j'étais il y a deux secondes. Allez, vite! Non, c'est bon, c'est par là.
Ouais, bon d'accord, dégage. J'ai perdu à cause du vaisseau. Ah, il est... Ah non, merde. Vous voyez, j'aurais pris le jetboard directement, j'aurais pas de problème. Ce que je vais faire... C'est le truc qui dégoûte aussi un peu, ça, quand on l'a trouvé, le truc, et qu'on n'arrive pas à l'avoir. Enfin, bon, là, c'est bon, quoi. Je suis bien, 7 secondes. Voilà. Et on a 168 et on avait déjà chopé Dark Jack illimité. Vas-y, c'est bon là. Putain, c'est chiant ça, là, ce regard, c'est long. Alors, secret. Dark Jack illimité, ouais, on va mettre oui. On va faire le con comme ça. Je vais voir si ça reste. Si ça reste vraiment illimité. Ou enfin, ou si Dark Jack. Enfin, Jack revient normal et qu'après on peut se retransformer encore. Je sais pas comment ça fait. C'est juste énorme quoi, quand les gens comme ça. Comment ils volent tous et tout, c'est juste énorme. Ah ouais, il se remet normal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ça. On arrive, on se transforme, on fait des Dark Bombs, Ça peut être marrant. Salut. Quand il explose les vaisseaux à un coup quoi. Ah, c'est trop drôle. Allez hop, crevez tous. Ah ça, je l'avais jamais eu quand même. Voilà, du coup, vous voyez, j'aurais eu ça quand j'étais gosse, ça m'aurait évité de retourner à chaque fois dans le tombeau de mar pour aller choper des connards quoi. Bon, ils en veulent encore. C'est vraiment con hein. En fait, là, ce que j'essaye, c'est d'enlever le grenagarde, mais c'est pas comme ça qu'on fait, je pense. Bon attendez, je regarde c'est où le prochain défi et en même temps je regardais le temps. Là ça fait 58 minutes mais bon il y aura beaucoup de coupures donc bon, ça fera moins. Je pense que là on doit être à peu près à 45. Donc je vais faire un autre défi et après on se laissera là, il nous en restera plus beaucoup. Attendez, je fais lequel Je suis où? Je suis là. Bah je vais faire celui qui est... Ah putain, faut que je fasse un détour par contre. Enfin faut que je fasse demi-tour plutôt. Bah écoutez, je vais faire celui que vous voyez là. En haut de la zone bizarre avec de l'eau là. Enfin de la zone bien carrée. Par rectangle plutôt. Bon allez, on y va, j'y vais en Dark Jack en faisant le con. Attendez, je regarde juste le chemin, faut que j'aille. Non, faut que j'aille dans l'autre sens. Voilà, donc on se retrouve là-bas, moi attends, je continue à faire le con. A tout de suite. On ne peut pas suivre. Ok, bon, c'était plutôt marrant. Hein. Bon, je pense que c'était cette partie-là, je voulais la laisser en accéléré, le reste, je vais carrément couper parce que moi, après, ça prendra trop de temps. Donc, ouais, c'était assez drôle. Franchement, je trouve ça énorme. Dark Jack, Dark Géant, quoi. À la fois invincible et. Parce qu'en fait, il avance vite aussi. Comme il est plus grand, il avance beaucoup plus vite, donc c'est vraiment sympa. Donc, on peut exploser tous les vaisseaux comme ça. Donc, franchement, c'est des barres. Que tu récupères de l'écho verte pour ces expériences. Récupère tout avant qu'elles ne disparaissent. Ouais, voilà, c'est celle-là la mission dont je vous parlais, l'écho verte. Et franchement, j'avais beaucoup de mal hein, quand j'étais gosse. Vous vous rappelez, ouais, c'est la même écho, l'écho verte qu'il y avait dans le 1. Ok, là, déjà, je viens de faire une grosse connerie. Et peut-être récupérer en Dark Jack. Hein. Ouais, je suis sûr, il y a moyen en plus. Il va vite, hein. Enfin, je veux dire, je suis sûr, il va plus vite que le jetboard.
faut juste faire ça régulièrement pour. En plus, ça fiche tout le temps, donc c'est parfait. Enfin, je veux dire, ça ne fait pas perdre de temps. Voilà. Ouais, Dark Géant, il va vite, c'est parfait. Oh, je vois, c'est en fait c'est beaucoup plus simple comme ça. On s'est un peu abusé, mais bon, c'est beaucoup plus simple. Donc, bon, je vais faire comme ça. De toute façon, voilà quoi. Le problème, c'est vraiment les grenagards quoi, ils nous font chier. Ah merde. Vas-y, on t'en prend, voilà. Ah, quoi que. Bon, attends, je vais juste faire ça pour me débarrasser de ce putain de. On va les casser où ça. Ah, je sais pas non s'il y arriverait. Vas-y, mets en grand, voilà. Le problème, c'est qu'on peut pas rouler avec Dark Jack. Parce qu'on ira encore beaucoup plus vite, mais. Ok, un, deux. Bon, ah non, ça marche, je pense. C'est marrant aussi, c'est que vous voyez. Oh merde! Putain! Ah, faut cette place. C'est que juste en avançant, en fait, les connards les tuent, les grenagardes. Enfin, ça leur. Je sais pas, ça les tue pas, mais ça leur fait mal, quoi. C'est assez sympa pour avoir créé un chemin. Non, mais là, je les aurai pas, les trucs déco. Bon, vous voyez qu'on a 2 minutes pour en choper 60 quand même. Hein. C'est vraiment dur. Du coup, on va finir en beauté. Bon, j'ai recommencé, mais j'ai essayé de pas taper de grenagarde. Et de faire ça normal en jetboard. Parce que ouais, il y a des endroits où on peut passer plus facilement en jetboard, donc voilà. Et donc on termine par cette mission, par ce défi vraiment dur. En tout cas, j'en ai de très très mauvais souvenirs. J'ai juste faire ceux du milieu avant, en fait. Je sais pas pourquoi, mais. Attention, je suis à pied. On a déjà envie. Même si moi ça peut faire perdre du temps, c'est pas super intelligent ce que je fais là. Ah merde, par contre, on peut pas enchaîner directement sur les autres, c'est chiant. Ok, ok, ok. On passe au-dessus de Grenagard, c'est bon. Donc par là, il y en a plus. Mais non. Voilà, je fais un peu ça à l'arrache, mais en tout cas, vous voyez que je suis déjà à 30. J'ai déjà chopé à la moitié du temps, donc je suis dans les temps. Attendez. Allez, vite. Putain, il est long. Ah merde! Oh putain! Eh, j'ai même pas fait exprès en plus! On sait pas, on va continuer. Il en reste pas beaucoup, hein. Je pense que je peux en sortir comme ça. Merde! Ah, j'en ai loupé un. Bon, attendez, je vais aller choper le tas là-bas, là, parce qu'il y en a beaucoup. Ah non! Mais non! Putain! Oh, fait chier! Putain, en plus, j'ai vraiment pas fait exprès en plus d'appuyer sur R1. Je croyais que j'étais encore en jetboard, en fait, je voulais faire une. Putain! Ah, fait chier! Vous savez quoi? Cassez-vous! Faites pas chier! Par contre, j'ai perdu du temps à cause de ça, mais c'est pas grave. Ah non, c'est dommage quand même, j'ai été super bien parti quoi. Regardez là, il m'en restait 10 quoi. Je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Grand problème, c'est ça quoi. Si on est recherché par le grenagard, c'est beaucoup trop dur. Alors, c'est sûrement ça qui devait me faire chier quand j'étais gosse quoi. Parce que autant le défi en lui-même, ça va, il faut juste savoir gérer le jetboard. Mais après, ah merde, non, non, oh, putain, ok, c'est bon. Bon, ouais, je vais repasser au milieu comme tout à l'heure. Par contre, je crois que j'en ai loupé un. Bon, je pense que je pourrais l'avoir en sortant. Ouais, il était là, je me dis bien, j'avais loupé un truc, putain, mais alors. Par contre, vous avez vu, quand j'étais blessé tout à l'heure, ça m'a fait gagner de la vie de prendre des découvertes comme dans le 1. C'est assez drôle. Ça va faire gagner une unité à chaque fois, peut-être. Par contre, ceux-là, ils sont pas marqués dans la carte, j'ai pas compris pourquoi. Mais... merde, j'en avais un là. Putain, mais c'est chiant qu'ils soient pas marqués. C'est abusé, on fait comment pour les trouver?
Ah merde. Bon, c'est bon, j'ai eu quand même. Voilà, viens là. Bon, ça va, je m'en sors bien. Jusque là, ils vont être plus dispersés, donc je vais galérer. Ok, attends, je vais dégager le jetboard. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais, c'était normal. Ça dégage. Ah non, putain, je l'ai tué. Quelle salope. Vas-y, qu'à pas se mettre dans mon chemin aussi, là. Enfin, sur mon chemin, plutôt, parce que dans mon chemin, ça veut strictement rien dire. Allez. Et voilà, là, je fais quoi? Regardez, il y a fait rien sur la carte. Ah, ils sont là-bas. Enfin, voilà, quoi, il y a pas tout là-bas. Oh, fuck. Mais pourquoi ils nous les marquent pas, quoi? Je comprends pas, là. C'est n'importe quoi. Voilà. Ah, vous voyez, là, il y a tous les points. Je sais pas pourquoi, il y a des moments où ils y sont plus. C'est un bug du jeu, je pense. Mais bon, c'est pas normal, quoi. Ok. Par contre, forcément, il faut que j'en loupe un là-bas. Oh, putain. Attendez, on va essayer de suivre l'espèce de pseudo-chemin là qui nous est tracé. Voilà, c'est, il faudrait que j'essaie d'aller vite comme ça, mais bon, c'est pas simple. Vite comme ça. Attendez, il faut juste que je chope les deux là. Ça, c'est gros. Ok. On n'avait pas là. Bon, 30. Et ouais, ça va, il me reste 30. Et puis, j'ai encore plus de la moitié du temps, donc ça va. Je m'en sors plutôt bien. Bon, par contre. Non! Ah, c'est bon. J'ai cru que ça allait pas passer. Ah merde, ils en ont encore. Bon, c'est pas grave, je m'en sors très bien. Faut que ça continue, putain. Faut que ça continue comme ça. Il en reste 15, 30, ouais, ça va. Ouais, c'est dit, ça va être chaud quand même. Ok, je vais passer plutôt comme ça. Pour pouvoir reprendre directement. Ok. Attendez, où sont les autres? Vite. Ils sont où? Non, alors. Et le dernier, il est où? Oh non, ça, c'est du troll. Attendez, je regarde où il est. Il est. Bah, normalement, il est par là où je regarde. Par là. Pas mal. Ah, c'est bon. Oh, c'était chaud quand même, hein. Celui-là est vraiment très dur. Bon, c'était le pire de tous, enfin, en tout cas, moi, c'est celui dont, dont je me souvenais le plus, vraiment. Donc, bon, attendez. Ça fait combien de temps que je parle? Parce que bon, ça, je vous en ai laissé pas mal quand même, plusieurs essais. Ouais, bon, en tout cas, je vais finir cet épisode là-dessus. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu, même si c'était assez linéaire quand même, hein, je dois bien le dire, c'était que des défis. Mais bon, après, ils sont tout de même un peu variés, à part ceux où vous avez toujours trouvé des armes, donc voilà. Donc bah sur ce, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis bah à plus pour l'épisode 21 qui sera normalement le dernier. Je pense qu'on pourra se terminer tous les autres défis en un seul épisode. Donc voilà, allez salut !